Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai pas les shaders, mais c'est pas très grave. Dernière vidéo de la saison 5. Pourquoi dernière? Vous savez comment ça fonctionne avec moi, c'est un pays par saison, et donc si je vous dis que c'est la dernière épisode de la saison 5, c'est que c'est le dernier épisode au Tibet parce que je n'en veux plus du Tibet. C'est pas une question de... Comment dire? Je saurais pas dire proprement alors. En fait, je joue tout seul au Tibet. Je suis absolument tout seul, toutes les personnes à qui je pensais pour jouer avec moi ne jouent pas avec moi. Tuons ces zombies. Du coup, je me retrouve vraiment tout seul. Bon, j'avais construit ça. C'est un schématique de je sais plus qui. J'avais peut-être déjà écrit le panneau sur lequel je dis. Ouais, voilà. C'est un schématique de Inder 863 tiré de la map à Lyon. C'est plutôt classe. C'est un ange en fait. Ouais, il est plutôt stylé. Donc voilà, la map à Lyon de je sais plus qui. Mais on s'en fiche. Et du coup, je m'ennuie puisque je suis tout seul. Il y a aussi que je trouve que le style elfique, on en avait bien fait le tour au Myanmar et que ça sent un peu le réchauffer tout ça. Je sais pas quel est votre ressenti par rapport à ça. Mais moi, pour ma part, je commence un peu à me lasser du style elfique, et plutôt que de faire des vidéos contraintes et forcées sur un style particulier, dans un RP particulier, on va switcher de pays. Et on va partir sur complètement l'opposé, on va arrêter le RP elfique, on en a bien fait le tour, on a bien développé cet aspect-là du gameplay. Donc on va maintenant partir sur autre chose, et j'ai fait une demande de pays que vous retrouverez dans la description de la vidéo, et on va s'en aller très très loin. Aha. J'ai rec TP kill. C'est pas grave le TP kill. Alors, nous revoilà donc plus au Tibet, et prêts pour la saison 6. Saison 6, ça va être très pénible à dire pour moi. le Tibet, c'était par là, le Kazakhstan, c'est c'est juste là-bas en fait. Yop là. Alors, comment ça va se passer au Kazakhstan? Je vous le dis tout de suite pendant l'épisode de fin de saison 5. Je recrute tout le monde, à partir du moment où vous avez votre power. Il y aura très peu de gens que je connaissais d'avant, puisqu'ils ont pour la plupart arrêté de jouer du fait de leur rôle de staff. Donc vous êtes tous susceptibles d'un jour devenir au gradé. Il y a plusieurs grades, donc le premier étant enfant, recrue, comme c'est écrit dans la demande de pays. Et puis, donc oui, une fois que vous avez fait vos preuves en tant qu'enfant, vous passerez ouvrier, donc vous allez devoir travailler, ce qui n'est pas forcément le cas en tant que recrue. Oui, j'ai changé de skin, alors il est vraiment tout pourri ce skin, hein. Je faisais des tests, il est ignoble, je l'aime pas du tout en fait. Donc le skin il va changer encore. Il me faut un skin qui colle au RP. On va... Oh tiens, ça a été tout cassé ici. Faut pas que je m'approche, il y a des trous. Donc une fois que vous serez passé ouvrier, vous allez travailler, tout ça. Une fois que vous aurez fait vos preuves un peu plus, vous pourrez passer le grade du dessus. Donc le grade du dessus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a trois grades qui sont cohérents, ce sont les grades d'officier. Il y aura le grade de magistrat, qui aura pour but d'être juge en fait. Donc de poser les sanctions, puisque les pouvoirs sont séparés dans mon pays. J'y suis au Kazakhstan, il me semble que c'est là. Ça fait la gueule, hein. Je vais devoir aller chercher mon compte admin et rollback, je pense. Oui, c'est ça, c'est là. Normalement, il y a un angle droit de frontière là, juste là. Et par là, il y a la mer.
Moi, je veux pas la mer, je veux me mettre dans les terres. Du coup... Ouais, c'est à moi, ça. Qu'est-ce que je disais? On est juste à côté du spawn, très gros avantage. Il n'y aura jamais de TP, on vous téléportera pas, vous venez à pied, c'est juste à côté. Une fois que vous serez... Oui, donc ouvrier, ensuite... vous pourrez passer donc magistrat, c'est vous qui serez en charge des sanctions, donc des kicks de joueurs, de kicker des joueurs du pays, c'est vous qui serez en charge également de leur mettre des sanctions, celles que vous voulez, après c'est beaucoup pour le RP. Vous pouvez être ministre, donc là vous pouvez vraiment être ministre de ce que vous voulez. Tiens, on arrive au Kazakhstan, mais ça... C'est l'idée que je veux donner, mais alors des bâtiments comme ça, c'est moche. Alors on va faire un truc vraiment que des buildings. Je veux vraiment que des grandes tours, avec certaines tours, ce sera des appartements. Enfin, je veux vraiment partir dans du moderne. Donc oui, vous pouvez être aussi ministre, donc ministre de la culture, ministre de ce que vous voulez. Après, ça dépendra de l'intérêt que j'en ai. Voilà. Oui, Raptor, je le connais un peu. Quoi d'autre, ministre? Ah, et vous pouvez être sénateur. Les sénateurs ont pour rôle de fixer les lois du pays. C'est-à-dire qu'ils se tiendront au Sénat. C'est tout moche, ça. Ils prendront siège, voilà ce que je disais. Merde. Ils auront un siège donc au Sénat qui sera construit. Et auront la charge de faire les lois, voilà. Sachant que moi, en tant que chef du pays, j'interviendrai bien évidemment dans tout ça, j'aurai tous les pouvoirs sur ça, mais que pour une question de RP démocratique, je laisserai faire. Et moi, je suis en tant que président, d'ailleurs je vais faire mon title après, je suis le détenteur du pouvoir exécutif, c'est-à-dire je suis chef de la sécurité, chef politique, donc chef diplomatique, voilà. Et puis je suis aussi en charge du budget, et il y a un quatrième truc dans le pouvoir exécutif que je ne me rappelle pas. Sachant que le budget c'est pas dans le pouvoir exécutif, je veux être chef du budget. Voilà, donc je vais faire rollback tout ça, et puis on va pouvoir entamer notre saison 6 d'ici quelques jours. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ne regrettez pas la fin du Tibet, honnêtement, vous en seriez lassé, et je pars toujours du principe que soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser le rôle du méchant. Donc, je vais claim déjà un endroit. Non, je vais d'abord rollback. Et puis nous, on se retrouve bientôt. Mais donc, ne regrettez pas la fin du Tibet, la fin des elfes. Ça a été une excellente période. Et je préfère que vous en gardiez un bon souvenir plutôt que je détruise tout en insistant. Avec des vidéos pas terribles parce que la motivation n'y était plus. Du coup, là, je suis bien motivé. J'espère qu'on va faire un paquet de vidéos sur cette saison-là. Je ne serai pas tout seul puisque vous êtes tous les bienvenus. Je suis de... Je sais même pas si je vais pas ouvrir le pays complètement. Non, c'est risqué, ça. C'est risqué d'ouvrir le pays complètement. Donc, vous me demandez, puis je vous recrute, vous faites un F-Join, j'aurai une alerte si je suis connecté, et puis je vous inviterai. Je rappelle que quand je suis avec mon compte Vinkosaurus, je m'occupe pas de ce qui se passe en tant que joueur. Et puis voilà, fini les elfes, bienvenue à la démocratie et aux buildings qui vont gratter le ciel et au centre commercial et politique du Kazakhstan. A plus tout le monde!